Début juin, on décollait avec ma famille pour une ville un peu particulière, New York City. On est arrivé. New York bébé. Donc bienvenue dans notre guide des top activités à New York City. Premier point important, ne pas rater le vol. Bien sûr, nous on a failli louper notre avion. Mais alors, bien comme il faut. On était parti tôt parce que de 1, j'avais mon test PCR de la veille qui n'était pas passé par le laboratoire. Mais aussi parce qu'on croyait que notre terminal de départ et le terminal où je faisais ce test PCR, c'était pas au même endroit. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Et du coup, pour la faire courte, on s'est retrouvés sur la route à pied, je précise, entre le terminal 1 et le terminal 2, à faire du stop. Et qui fait ça, même? Y a personne qui fait ça. Par chance, il y a un petit monsieur, vous savez les navettes là, qui font hôtel-aéroport, qui nous a récupérés sur la route et qui nous a amenés au bon terminal, parce que c'est grâce à lui qu'on a vu que en fait, le terminal 1 était fermé pour cause de travaux. Et du coup, on a couru après, et puis on l'a eu l'avion. Deuxième point, profiter un max. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors Times Square, alors qu'est-ce qu'on a vu? C'est au moins avoir une fois dans sa vie de la lumière, c'est du bruit, tout le temps du bruit. Alors le fameux type en slip qui joue de la guitare, ça je suis contente. Des trucs complètement excentriques. Ça fait comme la Tour Eiffel, c'est à voir quoi. C'est vraiment le centre de New York, c'est... Ouais, les Américains savent que de toute façon on va passer par ce lieu pour les découvrir. The Edge, quand t'arrives et puis que tu vois les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent. C'est un truc de fou quoi. C'est gigantissime. What do you think about the view? It's amazing. Bah là c'est le seul moyen de pouvoir vivre sans le bruit. Et puis waouh, ça c'était magique. C'est dominer la ville. Bof, moyen. Bof. Ouais, ça j'ai adoré. À Central Park, j'ai bien aimé. C'est un peu chier, moi, dans les montées avec les vélos. Champion. Oui, ça permet de faire les 12 km de tour dans un rythme tranquille. Because the road is difficult. Tagging. Yes sir. Et puis voir un peu différemment comment les Américains font du sport, vélo, course, le baseball, les parties de soccer, de football américain. Ouais. Où va-t-on, maman? Voir la Statue de la Liberté. À retrouver sourire. Dis donc, on a Maurice qui m'engueule. Ouais, la Liberté. Ouais, bah le tour de l'île est à faire. Ouais, ça se croit, c'est une grosse film history, ce truc-là. Mais bon, la vue par contre sur Manhattan, elle est magnifique. Le tour en bateau, nous, on a fait, était chouette. Ça permet aussi de découvrir différemment, vu de l'eau, la ville, c'est toujours sympa à faire. Nous arrivons à la Statue of Liberty. On l'a fait. On fera mieux. Ah, pont de Brooklyn. Alors, on retournera à New York, c'est évident. Parce que maintenant, je voudrais faire l'autre côté. Oh, bah, c'est super joli. Hein. Puis ça n'a rien à voir avec le reste de la ville, en fait. Comme tout monument à New York, bah, commencer à marcher dessus, c'est sympa. Et puis le quartier est chouette, les ponts de Brooklyn. Puis c'est des villes un peu. C'est côté peut-être un peu plus ancien, je sais pas. Ah ouais, alors j'ai adoré la Trump Tower. Hein. Franchement, c'était rigolo à faire. Pas parce que c'est la démesure. C'est du marbre partout. C'est un fou qui a monté ça. Mais bon, des fois, il y a des choses jolies dans la folie. Thank you.
grand moment de ma vie. Franchement, j'en referai un. Ouais. C'est trop rigolo. Bah, qu'est-ce qu'on a marché hein. Tiens, un endroit que j'ai adoré, c'est quand on est descendu du Edge, là, et puis que tu arrives sur cette grande place. On n'est pas allé d'ailleurs jusqu'au bout, là, et avec cette structure métallique, là, on ne sait pas trop ce que c'est, un escalier ou je sais pas quoi. Là. Alors, ça, c'est pour moi, c'était un des meilleurs moments. Bon, ah, bah c'est magnifique les trains! On a, ça s'appelle comment? Oui, c'est The Edge. Et là, nous avons une vue incroyable. Boum! Si, c'est beau quand même. Moi, je pense que ce que j'ai le plus aimé à New York, c'est marcher. La nature, la verdure. Ça, la propreté, la qualité de l'air. World Trade Center, c'est à faire, c'est marquant. Dommage qu'on n'ait pas pu faire le musée. Il y a quand même, moi ça me reste en tête quoi. Ça me reste en tête. One way, I'm gonna get you. One way. C'est pas on aime mais on kiffe. C'est ça qu'on aime. En tout cas, elles sont très bonnes. Hein. Smoothie à 50 balles. Et tu peux mettre des mots sur ce qu'on fait là. On fait le tribunal du film New York Police Criminel. Et en face, nous avons l'avenue de Milo. Ouais, ça m'a marqué. I love New York. Mais après, New York, c'était bien. Il faut savoir que c'est très bruyant. Et ça pue. Et ça, tu le vois pas dans les films.